Je me nomme Diallo Mamoudou, je fais la 10e année. Je suis migrant retourné de Niger. J'ai décidé de partir parce que je voyais ma famille qui était en train de souffrir. Quoi. Parce que mon père avec ma mère ne se s'entendaient pas. J'ai tenté la chance pour entrer en Europe. J'avais mes 14 ans. J'ai pris 300 000 qui étaient avec ma maman. J'ai pris ça, je suis parti jusqu'au Mali Bamako. J'ai appelé ma maman en lui disant qu'ils étaient enfermés pour entrer à l'Algérie. Quoi. Elle n'a qu'à envoyer de l'argent pour moi. Elle a envoyé, j'ai pris l'autobus, je suis parti au Niger. Au Niger, je suis resté là-bas 4 mois. Je n'avais pas à manger, c'est les Sénégalais des Copsaires qui m'aidaient à manger. Je suis resté là-bas 4 mois. Ils m'ont envoyé l'argent pour tenter de partir à Libye. J'ai tenté, mais je n'ai pas réussi. Après, je suis revenu au Niger, resté là-bas un mois. J'ai appelé ma maman, elle m'a dit que si je souffre beaucoup, je n'ai qu'à me retourner. Alors, je suis partie à l'OIM. Lorsque je suis quittée, je suis revenue, on m'a dit que j'ai passé la 9e année. Ma mère a payé l'école, c'est resté 4 mois. J'ai repris les cours, j'ai fourni de l'effort. J'ai passé en 10e année. L'OIM, ils m'ont payé de l'école, des informatiques à tout, ils m'ont donné des fournitures. Je les remercie encore beaucoup du temps. L'aventure n'est pas bonne pour un Africain. Celui qui te dit que la route là est facile, il te ment. La route est tellement difficile.